aujourd'hui, on va étudier une nouvelle façon de passer d'avant en arrière. Donc, passage d'avant en arrière en faisant un petit saut au milieu. Alors, c'est pas très très compliqué, mais il y a quand même quelques règles de base à respecter. Alors, la première règle, comme pour les autres passages d'avant en arrière, on part pied décalé. Ensuite, on va utiliser ses bras comme axe autour desquels tourner. Et ensuite, il va y avoir le mouvement de saut qui va vous permettre de tourner vos patins et de passer dans le bon sens. Ça marche dans les deux sens. Alors, pourquoi je mets le corps oblique? C'est quand votre corps est oblique, vous avez déjà fait la moitié du trajet. C'est juste le bassin et les pieds qui vont tourner, qui vont permettre de faciliter la rotation. Vous avez moins de tours à faire. Vous voyez, on peut le faire sur place. Je décale mes pieds, j'anime mes bras. Voilà. Longueur à faire passage avant arrière, ça vous entraîne. Vous voyez, ça peut être très simple. Tac, tac, tac.